Et salut YouTube, salut et bienvenue pour la suite de Blasphemous, un jeu qui est bien à mi-chemin entre Castlevania et Dark Souls, où on joue un monsieur avec un très gros casque-à-pointe. Hein. On avait activé le deuxième élément qui nous permettait d'ouvrir la porte qu'on avait trouvé précédemment. Oh putain, il me rappelle les hommes, les Freeman de Castlevania, je déteste. Donc on avait... Ok, très bien, tu prends comme ça. Tu piques quand même. Tu piques, t'es solide. Et rapide. Peux-tu tuer au moins? Oui. Oui, mais t'es douloureux. Et du coup, en activant Jando, on s'est retrouvé dans ces espèces de souterrains Toupourax. Bon, j'y pense, on va peut-être ouvrir les raccourcis vers le haut. Ça nous facilitera probablement la vie à l'avenir. J'ai fait exprès. Alors, qu'est-ce qu'on a raté là-haut? Ouvrir ici. On va ouvrir là-bas. D'accord, l'ouverture se fait par un petit mécanisme rigolo rigolus. Il va demander un peu de timing. On peut même l'immobiliser, c'est parfait en fait, on va faire ça. Pourquoi se prendre la tête à timer le truc quand on peut faire juste faire ça avec un très mauvais timing? Je vous le demande. Ah d'accord, la cloche on peut pas la bloquer contre le truc, il faut juste être patient. Pas le mécanisme, pardon, pas la cloche. Et... Bon, visiblement, il y a un décalage entre les deux phases, donc tôt ou tard, on va activer ce foutu mécanisme. Pas sûr. Pas loin, mais pas ça. Bon, ça, c'est quasiment assez proche. Oui. Parfait. Du coup, retour en contrebas. On va pas sauvegarder parce que tu nous as mis la misère. On pourrait l'éviter d'ailleurs, hein, le mec dans son portrait. Bon, visiblement, il nous en veut. Hein. Je sais pas s'il y a moyen d'améliorer les fioles de bile après, mais là, elles ne font pas trop leur taf. Hein. On n'est plus beaucoup soigné. Évidemment. Faut vraiment taper le monsieur. Oh, il ramène ses amis. Ouch. Ça va être fini ce bordel. Gérer le truc et en plus ils reviennent en deuxième semaine. Ok, donc il y a une nappe de brouillard dégueulasse qui a l'air de passer de temps en temps et qu'on va devoir éviter parce que je suppose que dedans on va s'asphyxier et vu que les trucs ont tendance à nous tuer en one shot, ça ne doit pas déroger à la règle.
Heureux, toi. Les plumes de culpabilité. Ouais, très bien, mais ça m'aide pas trop. C'était pas vraiment mon souci premier, là. Sans le passage secret au bout de ça. Je suis sûr qu'il y a un truc. Ouais, je suis sûr qu'il y a un truc, mais surtout. Des nuages de gaz. Deuxième chance au tirage. Ok, il va falloir avoir des réflexes. Deux maintenant, très bien. On voit une de moins. J'ai l'air de pouvoir faire un finisher sur elle. Bon. Voilà qui est fait. Ok, ça va vers le haut. Là-bas, il y a. De toute façon, on est obligé de les attaquer en contre-attaque. On va devoir rester à l'abri du portrait. On va m'accrocher à cette plateforme friable. Timer un petit peu mieux tout ça, monsieur. Bon, et nous voilà décédés. C'est hyper loin d'où on était. Où est-ce qu'on était? Mort 9e. On va bientôt passer à 2e. Est-ce qu'on peut mettre en un peu plus gros pour que ça soit mieux? Ouais. Ça va nous faire un sacré petit paquet de chemin. Il y avait le truc de culpabilité là-bas. Donc du coup je pense que si on récupère le. L'espèce de statue agenouillé, on doit pouvoir être débarrassé de notre culpabilité. Mais donc ne pas avoir à se retaper forcément tout le chemin pour retrouver la totalité de nos capacités. Parce qu'il prend mal. Est-ce que j'ai un moyen de les chasser? J'utilise ça. Je peux utiliser ça aussi, ça marche aussi. La glissade, l'arme des champions. J'appelle aussi la fuite. On est même pas obligé de se faire. Hop, salut. Par contre, on est vraiment pas. Notre épée manque un peu de peps, hein. Je trouve. Je sais pas s'il y a moyen de la rendre plus puissante plus tard, mais là. Alors, vite savoir ce qui se passe si on dans ça.
pensais qu'on saurait ce qui se passe dans une nappe de gaz, mais non. On l'a évité de peu. Ah, ça coûte 200 balles de... d'expier. Ben non. On va aller la récupérer à la mano, à la dure. Pardon, il y a l'overlay. Et l'overlay de la Xbox, enfin de la manette Xbox qui s'est activée parce que j'ai des gros doigts gourds. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un boss, tiens. Ne trouvez-vous pas? Le roi de l'esquive en œuvre. Ok. On a bien deux. On est à la deuxième, je ne sais pas. M'en fous, je récupérerai ma culpabilité avant de mourir. Bon, toujours pas moyen d'esquiver ces nappes de brume. Oh putain, ça sent la merde. Ça craint parce qu'on a plus beaucoup de vie. Évidemment, il y a du peuple. Deuxième phase, bien sûr. Hein. On va mourir. On est mort. On est mort et on passe à deux chiffres au niveau de nos compteurs de mort. Bon. On a avancé, on a trouvé une technique pour se faire les portraits sans prendre trop de dommages. Par contre, le reste du trajet, on se prend quand même plein la gueule. Ok, bon, donc lui, eux, ils sont moins menaçants quand on a trouvé un petit peu le timing du truc. Hein. À nouveau, hein, c'est l'impatience qui tue. Hein, c'est... Si on prend le temps de faire les choses à peu près bien, ça se passe beaucoup mieux. Donc, on n'a pas besoin de vous. C'est ce qu'il y a plus bas. Alors, on va attendre que la nappe de brouillard soit passée et on va pouvoir se laisser tomber. Mmh.
une babiole à gauche, mais je suis à peu près sûr que si je vais la ramasser, je vais crever de façon ridicule et grotesque. Je cause pas. Okay. Allez, réflexe de moule. Allez, allez. Perdu. Pas de faire de finisher sur, sur elle, c'est dommage. Une fois qu'on a compris qu'il fallait placer la parade au moment où il frappe, ils sont beaucoup moins dangereux. Endroit où on était mort. Je me rappelle d'une pierre de coups. Dur ce combat en endroit exigu. Patience, patience, on y arrivera. Ça commence sous les meilleurs auspices en se prenant d'eau, tout pourri par des mobs anecdotiques. Troll. Patience, je suis en train de me foncer comme un taré. Je commence à perdre ma concentration. En même temps, l'air m'aide pas. Ok, 6 coups pour les tuer. Tellement bien, on peut esquiver, c'est pas le souci, mais... Le problème, c'est que quand ils sont à deux, plus les deux meufs qui nous poignardent dans la salle... C'est une autre paire de manches. Bon, cette fois-ci c'est la bonne, on y croit. On peut le faire, on en est capable. Pas comme ça en tout cas. C'est vraiment eux qui me saoulent. Autant elles indépendamment elles sont pas trop dures. Eux ils sont vraiment relous. Thank you.
Patience nous guette. Mais pour l'instant, je reste calme. Tout va bien. J'ai survécu au niveau des égouts de Vampire the Masquerade Bloodlines. Tu ne me fais pas peur. On peut pas leur passer en dessous. Pareil, leur saut à la con. Non. On aura perdu de la vie, mais on aura appris des choses. Ça, c'est mieux que rien. Ça va être fini de courir n'importe où, ça. Pour la descente, mais bon, ça marche aussi. Alors, c'est facile. On peut utiliser notre pouvoir qui nous permet d'augmenter notre vitesse d'attaque, ça pourrait nous servir au combat suivant. Quand il s'agit de déblayer la zone. Bon. Il y a pas un endroit pour, il y a pas moyen d'éviter ce combat en plus. J'ai l'impression que non. Tant pis. Pour ceux qui étaient déjà morts, on va aller trop vite, on se prend des tatanes pour rien. Des fois c'est 7 alors pour les tuer, je comprends plus rien. Je croyais que c'était 6 tout à l'heure.
Elle est facile à éviter en plus, hein, mais... Je suis assez concentré. Ça annonce une 14e mort en précision. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Des gens. Elle a qu'une fiole de sang sur la tête. Ça me rafraîchira. Jean-Michel Timing. J'arrête de rater mes parades, c'est incroyable. Il n'y en a plus qu'une. Eh ben, c'était fastidieux, mais on a fini par passer. Tu me cherches, jeu, tu me cherches. Tu me cherches et je crois que tu vas me battre aisément à tes propres petits pièges. En plus, il trace celui d'en haut. Tout ça pour un reliquaire, sérieusement. Poumon argenté de Dolphos. Équipez-vous de reliques pour changer votre perception du monde. Chaque relique possède des effets uniques et différents. Vous pouvez vous équiper de 3 reliques à la fois. Alors, poumon argenté de Dolphos. Un organe préservé dans un argent étincelant et riche en filigrane. Le cardinal Dolphos fit fondre ses cuillères dans un pot pour échapper aux jalousies avec cette décoction argentine. Il protège son porteur contre des miasmes empoisonnés. Mais c'est parfait, ça! Confession de Dolphos, première partie. À quoi bon les robes et l'or des anneaux? Seule la pureté de l'argent, autrefois embellie, possède les grâces du miracle. L'argent ne devrait pas se voir, il ne devrait pas se porter au dehors du corps, mais seulement dedans, qu'il rehausse la chair, qu'il orne la peau. Oui. Non, on a pris la descente rapide. Est-ce qu'il y a un truc en dessous? Non. Frontal de Martinus le Cordelier. L'artisan Martinus Afnia fut à tort accusé de vendre des ficelles trop fragiles et condamné à être pendu avec l'une de ses créations. En ce même triste jour, il retrouva son honneur. Pas de bol. Ok, donc du coup ça va nous débloquer pas mal de passages, cette petite affaire. Vous, j'ai plus besoin de vous voir, cassez-vous. Alors, on a fait le ménage ici. Il y a pas mal de zones qu'on avait laissées en arrière du coup à cause de ça.
Où es-tu? Voilà. De où t'es invincible? Sauvegarde, je t'en prie. Non, pas ça. Bon, après, si on perd un point de sauvegarde, c'est pas grave. Vu qu'on s'est quand même pas mal reproché déjà. Vu qu'on a trouvé le truc d'Adolphos Bidule, ça nous permettra d'avancer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher, qu'on va explorer la zone vers le bas qu'on n'ait pas pu aller voir. Celle là-bas. Putain, vous êtes là, vous. Ouais. Ça s'annonce être une bonne baston, mais on a une babiole à récupérer. Mort numéro 14. Bon. Bom, 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 bom. Il y a tout de même pas mal de progrès là. On a pas mal progressé en trouvant ce morceau parce qu'on avait aussi des miasmes au niveau du réservoir à côté d'Albero. On va pouvoir explorer un petit peu plus avant aussi. On débloque des choses, c'est bien. Ceci n'est pas vain. Puis bon, on commence à être blindé de thunes. Fait une espèce de double attaque par accident, je pense. Vous avez acquis le nœud de la corde du rosaire. Va falloir savoir ce qu'on en fait un jour. Comment on les améliore? Est-ce que l'histoire est la même à chaque fois? Oui. Angracia. Angracia, ouais. Il n'y a pas plus d'infos sur le monde. Grâce à ça, c'est bien dommage. Mais c'est pas grave. Hein. Adios. Ok, donc vers le bas. Pourquoi est-ce qu'il est invincible? Donc on n'a pas retrouvé du fiol. Récupérer de la stock contre 350. Bon allez, hop. Est-ce qu'on a en stock? On peut y aller. Est-ce que ça semble être une bonne idée? Non. Pas du tout. Pas du tout. 15e mort. Dont on aurait pu complètement se passer.
Mais au moins, on sait que là-bas, faut pas y aller. Avancer dans cet épisode, vu qu'on est resté bloqué sur un combat qui nous a bien défoncé, mais on avance quand même. On mène des expérimentations étranges qui nous mènent à la mort en sautant principalement au vide. Mais qui n'est pas mort dans un jeu de façon stupide en expérimentant? Hop, coucou je panier. Faire attention quand est-ce qu'on soigne parce que ça n'immunise pas aux dégâts. Voilà. Alors elle c'est bon. Lui c'est bon. Je savais que t'étais là, je t'ai entendu arriver. Good people. Sacré comité d'accueil ici. Il y a un passage secret de l'autre côté. Je l'ai fait exprès de rater mon saut. Si je pouvais faire... ne pas faire exprès de mourir, c'était bien par contre. Que dalle. Eh ben tout ça pour avoir... On va voir ce qu'il y a en bas quand même. La salle de boss ou un truc du genre. Ça a fait groom. Ça a fait groom. Il y a un truc là-haut. Alors on va remonter tout en haut parce qu'il y avait une salle qu'on n'a pas été voir. Avec un peu de chance et un point de sauvegarde, ça nous évitera de nous retaper le trajet à chaque fois.
Là, mine de rien, on est assez loin du précédent. Ok, donc il faudra un pouvoir pour activer quelque chose ici. Pouvoir qu'on n'a pas pour l'instant. Il y avait une descente. Là, il y avait une grande salle qui semblait être une salle de boss, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Non, c'est une salle de sauvegarde. Oui. Petit bonheur. Bonsoir. Ancient one, do not be troubled by me or my outward appearance, now changed and seasoned. This might be a small price to pay for such joyous alliance. My protection does not cease here. Will you require my assistance with your next task? Oui. So be it. Donc il y a un boss dans le coin. Il y a un boss. Au hasard, là. Ça grimpe en plus, ces abris. Ouch. Désolé, je parle pas beaucoup, je suis concentré. Ouais. Dommage, on avait bien commencé. Mais ce petit enchaînement n'a pas bien suivi. 16e mort. C'est pas grave. On sait comment mon boss marche. Par contre, si je pouvais récupérer ma ferveur, ça m'arrangerait. Thank you.
Ah bah, faire danse à trois là. Bien que je me mette sur toi par du truc évidemment, deux fois. Mamie, si tu me soignes aussi c'est bien. Enfin, tu fais ce que tu veux hein, sans vouloir te commander. Putain, encore! Deuxième fois de la même façon. Deuxième fois. Faut que je sois plus prudent quand je. Bord 17, pas 14. Faut que je sois plus prudent. En plus, on continue de perdre la ferme maximale. On va essayer de se le faire ce boss avant. Avant la fin de l'épisode, ce serait bien. Bon, 30% de vie pour elle, plus beaucoup pour moi. Heureusement, la mamie qui est censée nous soigner, mais qui ne fait pas trop le taf. Putain, je pensais être hors de la zone. Mais non. Elle devient vénère. Elle devient vénère. On a trop mauvais état pour vraiment lui faire beaucoup de dégâts à la fin. Surtout, on se fait rétamer pendant toute la durée du truc. Il faudrait être un petit peu plus prudent, je pense. C'était faux.
laisser mamie soigner autant que possible, parce qu'elle a l'air d'être plus efficace que mes potions. Changement de palier, faut faire attention parce qu'avec la masse ultivole. Assez rapide, mamie. Il a besoin de soin, monsieur. Pas les taper dans un gros chapeau. Putain! C'est pareil. On était bien là.
On était bien. Je sais pas combien tu aimes tentative, sixième je crois. Si je me soigne moi pendant qu'elle commence à casser son spell, son sort, elle arrête. Donc, je vais laisser ça rester en sixième rang pendant qu'elle incante. Bon, peut-être qu'elle puisse avoir le temps d'incanter. Je reste zen, je reste calme, je reste détendu. Détendu. Peut-être vraiment dernier secours, si jamais je ne pense pas me soigner bien en gros. C'est pas du très efficace à esquiver ce que je suis censé esquiver. Ah, petit bug. J'étais encore debout, mais j'étais mouru. De refaire défoncer tout mon setup par hasard. Bon, ça a l'air d'aller. On verra bien. Non, c'est pas toi que je veux toucher. C'est mon compteur de mort. 22.
Vérifie juste, ouais, c'est bon. J'avais peur de vous avoir foutu un truc en timbre-poste, ce serait pas la première fois. Ouais, il est faisable, hein, c'est chiant, c'est juste. Faut le temps de réussir à le faire, quoi. Merci à Obida pour les soins. On va mourir comme un caca dans quelques instants. C'était pas un mauvais assaut. Ouais. Bon. Ben, je crois que on va se faire une dernière tentative. Si jamais ça passe pas, ça sera pour l'épisode suivant. Bonne troisième mort. J'ai rien qui pourrait m'aider. Je sais que c'est un peu tard pour regarder, mais... Dans l'arme d'expiation, on s'en fout... Toxine, on s'en fout... L'attaque de foudre, c'est pas l'attaque de foudre qui me balance... Donc ça me sert à que dalle. Ces braves dames me rappellent les sorcières de Croc-Bug-Bug de The Witcher 3. Dans un sens. Et pas seulement parce que c'est froid, mais parce qu'il y a ce côté extrêmement agaçant.
chaque fois que je suis à la même à ce moment-là. Ouais, on a perdu beaucoup trop de vie, je sens que ça va mal se finir cette affaire. Même pas ma jet sabar, on a déjà plus qu'une seule fiole de soin. Savoir à peu près conclure son pattern pour la dernière phase. Et ben. Pfiou. C'était douloureux. Requiem aeternam. I am lessived. La culpabilité était expiée, heureusement. On va sauvegarder. On ne peut pas. Second morceau pour la porte. Ça va être quoi cette fois? On a déjà eu l'espèce de crâne flottant chelou. Et cette fois c'est... un deuxième crâne flottant chelou. In the name of the great ordeal and the sons of the miracle, may the gold in my visage melt and erase the contrition of your soul. Heart of guilt, return now from the dream. Sainte blessure de contrition. Je crois que c'est la même chose qu'on avait eu. C'est une blessure d'attrition, pardon. Et cette fois-ci, contrition. La marque laissée par le visage d'or qui révèle la pureté de contrition dans l'âme du pénitent. Santo Credo, second verset. Le miracle créa les visages d'or par la ferveur des saints incorruptibles afin de les préserver dans le rêve interdit. Trois visages identiques couverts d'or incandescent pour garder les trois blessures de l'âme de sa sainteté. Bon, est-ce qu'on va pouvoir aller sauvegarder cette fois? Oui. On va sauvegarder. Et c'est là qu'on va se quitter. Du coup, YouTube, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à faire ce que tu fais habituellement avec tes vidéos. Salut. Et puis, on se retrouve bientôt sur Blasphemous. Salut.